Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Télésport sous Télévision Nationale d'Haïti. Point n'ap gagnen pour nous développer. Responsable de la Fédération Haïtienne Football, yo rend public une liste verte qui pourra défendre la couleur nationale en amical le 10 octobre prochain contre le Japon. N'ap gagnen pour nous parler de championnat national, la première division 1, série retour, troisième journée, dimanche dans le stade Sidio Kator. Racing Club Haïtien et Association Sportive Capoise fait match nul 0-0. Basketball, responsable de la fédération, a organisé un séminaire de formation pour 35 arbitres, sorti 22 pour arriver 26 septembre. À l'étranger, tennis, Peter Djovozic remporté tournoi Metsa, ça passait dimanche. En football, Ligue des Champions, Jodia, Real Madrid a gagné en Allemagne, souterrain Borussia Dortmund. N'a prend première pause n'a tourné tout à l'heure pour développement titre ça. Alternative Insurance Company a toujours à chercher moyen pour nous bailler sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti nan kòp ou paye pou assurance vie a retenu un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent ki sa ou si gen ijans l'hôpital, frais éducation, aménagement kayou ou bien voyage. AIC kreye assurance vie universelle pou tèt nou ka pose et nou assure la vie nou, fami nou ak bien nou. Même si ta vie gen gros dépenses ki pou fèt temps en temps. Grâce à l'assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger vous et puis pour kembe confiance vous. Nous tendez ça au mandé et n'a pas tiré toute limite parce que leur perdit sans fin payer ça c'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle d'Isel qui va rollover illimité sur data ak minute. On a créé un nouveau plan gros le roi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin de pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein gros le pao là. Digicel. Oh! Mazo, c'est bien que tu as papa. Avec moto, ça va pas prendre l'arrière. Moi, je vais te bien passer ce moment ça. C'est moto sur moto. C'est ça que mon problème, c'est moto Jalik. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. C'est pas dans la boule, la pas venir dans le basement là parce que ni mécanisme, ni autopane, pas comme d'avant dans mon là. Mais ça m'a tout là. Là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburateur, vieux moto ça, et puis mettre le carburateur Jalik. Je suis impressé là. Si avec football n'a pas ouvert page locale là, sélection nationale là pour aller jouer un match amical contre Japon, journée mardi 10 octobre 2017 là, quelques jours avant rencontre là, responsable la fédération yo rend public une liste 20 joueurs qui pourraient défendre couleur nationale là dans pays soleil levant. Plus détails avec collaborateur nous Dieudonné Estivian. Dans cadre match amical sélection nationale là avec sélection japonaise football là, journée mardi 10 octobre 2017 là, staff technique 11 national là fait sortir une liste 20 joueurs qui bien pour faire voyage là dans pays côté soleil levé a. Si dans liste ça, nous joignons un seul joueur qui a évolué dans championnat national là, Valendi Odelus, 5 joueurs qui a évolué aux États-Unis, reste équipe là c'est des joueurs qui a évolué dans première, deuxième et troisième division en Europe dont Hervé Basile qui pral honorer première sélection li.
mais liste 20 joueurs Makola Staffley convoqués en détail. Deux gardiens, Johnny Placide, Oldham Athletic en Angleterre, 3e division, lui Valendi Odelus Real Hope Academy. Défenseur Meshack Jérôme Armada, Karlens Arcus à Auxerre en France, Jean-Amboise Oldham Athletic, Alex Christian FC Gadzanzar, Arménie, Kevin La France à EL Limassol, Chypre, Andrew Jean-Baptiste, Nico Pin, club suédois, Réginal Goreux, Standard de Liège, James Giffrard, EKF Finlande, milieu, Brian Alceus, Bordeaux, Zachary Erivo, New England, États-Unis, Sonny Musiva, Sporting Kansas, États-Unis, Donald Guerrier, Karabag, Azerbaïdjan, Hervé Basile, Stade Malherbe Caen, Renel Metellus, US Avranches en France. Comme attaquant, Richelieu Sprangers, Nac Breda, Noland, Jonel Désiré, Will Monac, États-Unis, Dukens Nazon, Coventry City, 4e division en Angleterre, avec Derrick Etienne, New York Red Bulls, États-Unis. Et donc, Japon-Haïti, 7h30 dans matin, dans Nissan Stadium. Là. Championnat national, première division, 3e journée, série retour, dimanche soir dans le stade Silvio Cato. Récine, club haïtien, fait match nul 0-0 avec l'association sportive Caproise. Une équipe TNH, t'es sous place. Reportage, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, Gérard Lescoufler. Récine, club haïtien, réalisé 3e match nul dans la série clôture championnat national, première division. Hein? L'El fait 0-0 avec Caproise dans le stade Silvio Cato. Journée dimanche 24 septembre 2017, là, dans l'occasion 3e journée compétition. Hein. Vieux Lyon, qui était déjà fait 2 matchs nuls dans 2 premières journées, c'est clôture championnat, t'es trouvé une obligation pour te faire victoire si là, puisqu'il était la Kaili. Équipe au télévré dans la bataille, peut-être qu'on connaît qu'est-ce qui t'a fait victoire. Formation Journée Bleuya, qui était déjà marqué seulement un goal dans la deuxième partie championnat, t'es fait tout ça le connaît pour te scorer bien bonnet dans le match là. Mais dommage, pour une mi-temps, t'es fini 0-0. Dans la deuxième période contre football là, des équipes ont été poussées davantage, plus déterminées pour victoire, mais ça n'a pas arrivé fait et match a été fini 0-0 entre Signe Club Haïtien et AS Caproise. Wilgen Saint-Fort, qui s'est joué vieux Lyon, était quoi information jaune et bleue après une vraie formule et qualifié pour playoffs. Pas comme ça, je me suis joué, bon, juste au fur et à mesure qu'il a travaillé plus à l'entraînement, on a une bonne forme. Nous, la prochaine journée, nous allons à Baltimore. Bon, Baltimore, c'est un client qui est difficile en pile. Nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons travailler goumé plus et puis pour nous faire un résultat et puis pour nous venir dans ce stade là la prochaine journée et puis pour nous faire tout fanatique. Récine Club Haïtien, content. Saturné Kadji qui s'est joué formation SK Poisla. Tu réagis après match nul l'équipe là. Nous avons fait un calcul qu'on a des sorties ça pour petit pour faire 4 points. Bon, nous va arriver faire 3 points là. On pense une balle gomme pour nous battre Singonaï. Dans l'autre match 3e journée, c'est retour championnat. América tombe la Cali contre Real du Cap 3-1. À l'aller Real te bat 2-0, Baltimore bat 3-1-0. À l'aller c'est Wanamet qui te fait victoire 1-0. Éclair Juventus victoire pour Éclair 2-1. À l'aller Éclair te bat 1-0. Fika fait match nul 1 but partout à Christine des Gonaïves. À l'aller c'est Fika qui te fait 1-0. AS Sud-Est fait 0-0 avec Tempête, à l'aller AS Sud-Est bat 3-0. AS Mibale bat Don Bosco 1-0, à l'aller match a été fini 1 but partout. Dans le classement 3e journée, c'est retour championnat. Real en tête à 7 points, Baltimore 2e 7 points, Éclair de Gonaïves 3e 6 points, AS Mibale gagne 6 points en 4e position. Et dans le bas classement, Don Bosco gagne 2 points en 14e position, 15e position Petit Guave 1 point, et équipe Wanamet la lie en 16e position à 1 point. Après rencontre là, deux entraîneurs ont réagi dans micro la presse. Youn après l'autre, Wilfried Montilas, Récine club haïtien, Antoine Sardouin, association sportive Caproise. Nous étions pour être fanatiques pour une victoire. Moi, c'est que c'est un match qui n'est pas facile, qui n'est pas difficile tout, mais moi, c'est qu'à l'avenir, l'équipe l'a préjoint et match des manœuvres. Nous avons Ariel Central et Don Bosco qui a préjoint nous. Et ce qui c'est Mazinho qui a pris joint nous et Demadi qui commence à entraîner avec nous parce que son bon acquisition pour nous. Si coach Christine lui même critiqué et arbitrage m'a critiqué tout parce que après dans la fin rencontre là côté et attaquant le jeune ballon et puis défense attaque le jeune ballon il prend pied et puis attaquant lancé pénal l'arbitre l'a pas accordé. On était avec en pile prudence on était obligé commencer avec monsieur Jodia malgré qu'il y a une douleur au niveau des genoux mais quand même pensait était capable mi en mi-temps et après Jodia il pas même bon mi en mi-temps m'a obligé retirer à la mi-temps et monsieur gagne un choc on pas obligé mettre monsieur au repos parce que m'a cité d'éléments sous banc là qui pour carambasser monsieur valablement après dans prochain match monsieur pas présent me retourner et parce que obligé reler parce que yo senti importance moi important pour l'équipe là et après l'équipe là était toujours jouer dehors on a perdu tout le temps mais je dis on jeune nous fait un grand point malgré pas satisfait à 100% mais un grand point à l'extérieur c'est mieux c'est une compétition on a joué c'est jouer pour ne pas perdre et dimanche si nous pas jouer face à Singonaïve sinon nous pas jouer pour ne pas perdre. Fermez page locale là avec basketball, sorti 22 pour arriver 26 septembre, Fédération haïtienne basketball organisée
une formation pour 35 arbitres dans son sport pour l'espoir Haïti. À Stasila, t'es animé par arbitre haïtiano-américain Marc Ronnie Louis. Collaborateur non, Smith Griffon et Antonin Lundi a présenté un reportage. Commission Arbitre, en collaboration avec la Direction Technique Nationale, organisée sur le 22 pour le 26 septembre 2017, là, dans le Centre Sport pour l'Espoir Haïti, a une formation niveau 1 pour plus passer une trentaine d'arbitres, ligue régionale et privée dans le pays. C'est ici là, animé par l'arbitre international haïtien-américain, Marc Ronnie Louis, assisté de Pierre Gérard Contant et Romuald Timothée, qui est membre de la Direction Technique. Là. Gerland Pierre, c'est représentant Saint-Michel de la Talaye. Côté nous, il y a déjà pas de gros activité. C'est la fédération qui mette nous, c'est ça qui invite nous, avec nous qui parlent tout, qui parlent pour nous, qui fait nous arriver là. Et c'est ça qui fait nous venir là, son deuxième fois nous venir là, nous sommes venus dans le tournoi basket qui était gagné la semaine passée. Nous sommes venus déjà, c'est grâce à la fédération avec Saint-Sport pour le soir qui fait nous venir là. Et nous contemplons, même si nous n'avons pas de gros bagages, de gros terrain là, mais nous avons misé nous quand même dans notre terrain dans le col Kaipe. Je dis merci à Vincent Lampil pour l'activité salmette qui a pu soupirer pour toutes les jeunes qui ont participé. C'est même satisfaction pour côté Michel Stanley, représentant de la Ligue AKEA, qui applaudit l'initiative là. D'après lui, qui a fait basketball haïtien, vient plus populaire. C'est une belle opportunité pour moi-même en tant que joueur basketball et pour moi venir suivre une formation sur arbitrage. Il y a un peu de changement parce que moi-même, même qu'on a regardé basketball en télévision et qu'on a regardé les mêmes coups, là son autre expérience parce que basketball NBA avec FIBA, c'est deux bagages qui différent, surtout les principes. Donc je pense que avec formation ça il y a pile connaissance que moi même m'a pas accumulé et moi qu'à transmettre avec l'autre jeune tout. Le li organiser série style ça yo Fédération Haïtienne Basketball compte joindre solution à faible quantité d'arbitres compétents qui gagnent dans basketball local là. N'a signalé depuis comité ça qui gagne en tête Henri Jean a dirigé FHBA, il y a plusieurs formations niveau 1 et niveau 2 qui fait. Cependant, si fanatique ballon orange applaudit l'initiative ici là yo. En pile là-dedans, quoi faut que tu mette différentes sélections au campé. Dans une interview li bay collaborateur non Smith Griffon, assistant directeur technique national là, Romuald Timothée qui t'a coordonné stage là, déclaré que sur 16 ligues qui affiliées, il y a 13 qui te répondent présent. Son formation que commission nationale d'arbitrage mettait sous l'égide de fédération, mais où qu'on est tout bas qui gagne aspect technique, direction technique l'a engagé. C'est pour ça nous là comme coordonnateur stage qui a fait par avec Mac qui ont habité étranger, bon haïtien, et puis avec Johnny Innocent qui sont anciens habit FIBA que nous avons gagné de 2009 à 2013. Maintenant, qui t'aime qui débat la stage ça? Bon, forme de son stage qui est initiation à l'arbitrage, c'est-à-dire nous recommencer avec tout bail basique dans l'arbitre là, positionnement, règles et temps yo qui les pour déplacer qui et puis protocole arbitrage là, son bail que nous prend à cœur pour nous faire des nouveaux arbitres haïtiens et c'est pour ça que nous commencer premier programme là avec des ligues qui majorité c'est ligue provinciale que n'a monté en structure pour un grand nouveau style d'habit ou bien un nouveau cadre d'habitage. Ça veut dire que si je comprends, les participants sont sortis à travers les ligues. Il y a un nombre de 33 et sous 16 ligues qui sont affiliées avec la fédération, nous avons 13 qui répondent présents et nous avons 2 qui sont affiliés mais qui ont une information. Je n'ai pas de discrimination puisque je suis une femme d'eau. Oui, nous avons demandé à toutes les ligues qui ont 4 personnes dont on fille. Mais c'est Ligue Saint-Michel de la Talaye qui pourquoi affilié qui voyait 2 filles avec Ligue Inch qui a affilié qui voyait une. Ça veut dire qu'après ça, Abid Sayo est capable de diriger match que fédération homologuée. Tout match que fédération reconnaît, c'est Abid Sayo qui a dirigé. Et Abid Sayo nous prend l'encadre pour nous faire une autre formation très prochainement. Nous avons le niveau 2. Nous prenons le nombre de temps pour faire expérience sur le terrain. Avec championnat et puis laisse en apka relé encore pour nous au niveau plus avancé. Bon côté Pali, Marc Ronnie Louis, qui est le principal animateur stage là, fait qu'on est très fier pour lui venir aider PIA. D'ailleurs, il déclaré lui prêt pour lui retourner n'importe qui l'heure pour niveau 2A. Nous là, encore une fois, pour nous et capable d'aider PIA, nous,
avec pour pays nous avoir une bonne image concernant des arbitrages et pays. Et nous là avec toute expérience que nous gagnons, nous venons là pour nous bailler en aide avec tout arbitre qui voulait évoluer. Et Kemp ça, c'est un Kemp qui est niveau 1 que lié. C'est des anciens joueurs et anciens entraîneurs qui t'aiment venir en arbitre. So Kemp là c'est juste un attaqué sur arbitre à la base numéro et premier. Et on a participant qui joue ouais, est-ce que vous satisfait jusqu'à présent? Oui, on gagne qui monte en pile dans participant yo montrer motivation yo et à travers que ça que yo voulait apprendre à travers des rêves yo et une arrière qui moins strict avec yo c'est la ponctualité. OK, qui gens que avec professionnalisme que yo supposé respecter. Et jodi a nous couvri plusieurs en règlement jouet là et plusieurs et mécanique et jouet là et nous parce que en pile là dans regarder NBA que nous connaît que NBA règlement NBA et les différents avec pas même avec en règlement FIBA sur base et formation niveau 1 li basé sur règlement FIBA et après qu'un blanc et habite ça il est capable de diriger match que fédération va organiser. Ah, au fur et à mesure, parce que pas oublier c'est juste le niveau 1 que nous y est. Donc, et nous croyons que et avec participants au monde qui plus apprend plus vite là, que si que nous avons détecté que habite ça habite quelques niveaux de match low niveau, lorsque les ayo peut-être nous avons joué une bonne. Voilà qui boucle page locale là. Nous prenons une deuxième pause là. Au retour à l'étranger, nous parlons de tennis, la question tour du football avec première partie, deuxième journée Ligue des Champions, Real Madrid qui a gagné en Allemagne, sous terrain Borussia Dortmund. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous faire sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans le corps ou payer pour assurance vie a retenu un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui sa ou si gen urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. Et ici, créer assurance vie universelle pour être nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie n'est qu'aux dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, et ici toujours continuer prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travail pour protéger vous et puis pour kembe confiance vous. Dim, combien fois a pris pendant sur Facebook ou a parlé aujourd'hui ou bien ou a buy un story et puis bam, méga buy tout fini. Eh bien, n'a comment nous son problème ou fini. Tout sim n'a comme yon vini kounyan à 3 mois méga buy pour Facebook gratis. Ou t'es besoin de changer compagnie? Eh bien, sort up turn. The future is now. Let's go. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. Actualité à l'étranger, tennis. Peter Gojovzik a remporté tournoi Metzla sur surface dure. Allemand dominé français à Benoît Paire 2-7 à 0, 7-5, 6-2. Premier set a été très disputé et deuxième set là, Allemand a gagné assez facilement 6-2. Peter Gojovski, 95e mondial, remporté
premier titre ATP de sa carrière. N'a pas quitté l'actualité tennis là pour nous parler football direction l'Angleterre. Week-end passé, c'était 6e journée primaire ligue là. Manchester United a continué sur même lancée. Manchester United qui a fait un bon début de saison. Ils battent en déplacement Southampton sur le strict minimum. Équipe locale là, tu gagnes une belle occasion pour te prendre avantage là. Et c'est finalement Manchester United qui joue une ouverture score là par l'inévitable Romelu Lukaku. Une première tentative de l'attaquant belge a repoussé par Portia. Il joue un rebond et puis il met au fond des filets. C'était à la 20e minute de jeu. Par la suite, tu gagnes plusieurs autres opportunités de but et non rencontrant, mais ce score-là, l'Inter était là, 1-0 pour Manchester United. Manchester a toujours été deuxième avec le même nombre de points que Manchester City. Et puis, gagné Chelsea qui a gagné en déplacement sur terrain stock grâce à un triplé de Alvaro Morata. Morata, justement, pour ouverture ce score-là, dès la deuxième minute de jeu, un goal précoce de l'ancien attaquant Real Madrid. Là. Pedro Rodriguez mettait un bon dos au pied et entrée sur phase de réparation pour 2-0. C'était à la demi-heure de jeu. Équipe Chelsea en deuxième mi-temps, pour inscrit et deux autres goals. Alvaro Morata prend de vitesse à une arrière équipe stock là avant de la tromper Portia. Et c'était 3-0. Goal qui était inscrit à la 77e minute de jeu. Et Antonio Conte, manager Chelsea, était content. Un appel de Alvaro Morata qui fait le ballon au deuxième poteau facilement. Il mettait au fond, c'était à la 82e minute de jeu. C'est le match plus abouti de Morata depuis arrivée en Angleterre pendant Mercato Estival. Là. On a passé en Espagne, c'est également 6e journée qui était joué dans Liga. Week-end écoulé à Espagnol. Barcelone fait un large succès à domicile face à Deportivo La Coruña. La Coruña a fait un mauvais début de saison. Ouverture score avec attaquant brésilien Leo Batistao dès la 5e minute de jeu qui était reprendre et ballon et de la tête. Pour gagner deuxième goal, équipe espagnole inscrit par Alejandro Arribas à la 22e minute de jeu contre son camp. Un défenseur, équipe La Coruña qui était marqué contre Canli. L'équipe La Coruña pour jouer une réduction score là par le milieu de terrain international costaricien Celso Borges, 53e minute de jeu. Penalty pour Espagnol Barcelone, penalty transformé par Gérard Moreno, 72e minute de jeu. Même Gérard Moreno après le scellé son match à la 90e minute de jeu. Score final 4-1 en faveur de l'Espagnol Barcelone qui a joué à domicile. Et puis il y a Getafe qui balayait Villarreal et 4-0. Getafe donc qui torpillait sous-marin jaune. C'est Angel Rodriguez, la fita, 54e minute de jeu, qui était ouvri ce score là. La fita qui réalise un doublé. Défenseur Villarreal la tape dormi. Attaquant formation Getafe a chipé ballon pour le inscrit deuxième goal là. C'est Jorge Molina à la 64e minute de jeu. Il y a un troisième goal là qui inscrit par Markel Belgarra, 67e minute de jeu, et Angel Lafita, une nouvelle fois, et inscrit 4e goal. Équipe Getafea, 2e goal personnel, c'était à la 90e minute de jeu. Real Sociedad tombé à domicile face à l'équipe Valence dans 3-2. Valence joint une ouverture score là par Rodrigo à la 26e minute de jeu. Égalisation de l'équipe locale par Aritz Elustondo, 33e minute de jeu. Valence Pral reprend et avantage là. Un petit ball piqué de Nacho Vidal, 55e minute de jeu. Match a été 2-1. Un mauvais renvoi de la défense de Valence. Real Sociedad Pral profiter pour joindre égalisation. Une frappe croisée de Mikel Oyarzabal à la 59e minute de jeu. Match a été 2-2, un match qui était totalement relancé. Là, il y a une faute et puis double sanction. Il y a un joueur équipe Real Sociedad là qui exclut et non rencontre Real Sociedad qui finit match à 10 et contre 11. Et formation Valencien pour aller profiter pour lui inscrire troisième goal là, synonyme de victoire par l'attaquant italien Simone Zaza. C'était à la 85e minute de jeu. Donc, une victoire difficile de Valence en déplacement. Et souterrain Real Sociedad 3-2. On a fini avec la première partie, deuxième journée Ligue des Champions et qui commençait jeudi. Real Madrid a gagné et dans Iduna Park là, c'est fief formation Borussia et Dortmund là, score final 3-1 dont un doublé de Cristiano Ronaldo qui a joué 400e match, mais c'est Gareth Bale l'attaquant gallois qui a joué une ouverture score là à la 18e minute de jeu, une très très bonne ouverture de
Cavaral, reprise de volée de Gareth Bale, Portia, Berkey, pas capable de faire un. Gareth Bale n'a pas servi Cristiano Ronaldo qui reprend le ballon en pleine surface de réparation pour 2-0. Zinedine Zidane est content. Gareth Bale, buteur et passeur décisif dans la rencontre. Formation locale après adjoint, réduction score là par Pierre-Emerick Aubameyang. C'était à la 54e minute de jeu, li anticipé sous Sergio Ramos. Et dans l'autre match qui t'a gagné, formation Spartak Moscou à domicile fait 1-1 avec Liverpool. C'est Fernando Siokoufran qui t'a ouvert ce score là pour Moscovitio. Équipe Liverpool là pral égaliser à la 31e minute de jeu par l'international brésilien Philippe Coutinho qui a ajusté Portia de près. Match a fini 1-1 avec égalisation ça de Philippe Coutinho. Et puis il gagne et équipe Liverpool là t'es capable même joindre goal victoire là, mais ça pas arrivé fait. Naples bat à domicile Feyenoord 3-1. C'est Lorenzo Insigne frappe Rashol qui t'es bail avantage là. C'était à la 7e minute de jeu là, li offre goal ça à Milik, attaquant polonais qui indisponible. Deuxième goal là son erreur défense Feyenoord là, c'est Dries Mertens belge qui inscrit à la 49e minute de jeu. Dries Mertens qui en grande forme, penalty pour équipe Feyenoord là, mais Pepe Reina est parti du bon côté, il fait un bel arrêt. Là, c'est Caleon, José María Caleon qui pral inscrit troisième goal là. Une frappe croisée de l'attaquant espagnol. Match a été 3-0, mais dans arrêt de jeu, formation Feyenoord là pral joindre une réduction score là par Sofiane Amrabat. Score final 3-1 en faveur des Napolitains. Voilà, c'est la Télésport à Campé. Merci pour attention. Passez une très bonne soirée et une bonne journée si vous suivez l'émission en rediffusion.